les mi-games, non. Pour quel Gigan Ram, tu t'es pas prêt de le lancer. Hop. Juste faire ça comme ça. Ah c'est ça, c'est du tin, du silver et du platinum. Tin, silver. Voilà, nous avons Kako qui nous dit 1 sur 3, c'est un bon score. Bien, bien, tant mieux que ça te satisfait. Ah putain, j'ai crash. Enlève le petit fun, on verra si tu crash. Comment je fais? T'enlèves le mode. Ça au lancement? Ouais. Optifine. Et ça fait quoi du coup, vu que j'enlève Optifine? Ah, t'éviteras peut-être de crasher. Mais non, mais je veux dire, ça va. Je vais pouvoir. Enfin, je vais live en moins bonne qualité, ça va faire quoi exactement? Ah non, ça va rien faire, c'est pour éviter que toi tu crashes. Mais ça fait quoi Optifine alors, du coup, si on le laisse? C'est juste pour permettre de zoomer. Ah, moi j'aime bien ça. Bah ouais. Vinilia 940M ça passe. Je pense pas. Si on se mode pack là en tout cas. Si c'est une GTX, c'est possible que ça passe. Si c'est une normale, non. T'as même pas du 1 giga de RAM dessus en plus. Comment faites-vous pour pas vous y perdre avec tous ces modes? Eh bien, on ne rush pas. On prend notre temps. Ouais. On prend tout notre temps. Ah oui, c'est ça, c'est bien un bucket qu'il nous faut. J'étais en train de me dire qu'est-ce que je fais depuis tout à l'heure. Idarkay, tu as le lien de tous les modes dans sur le site des FTP. Une underpearl. Ah bah non. Underly ici, ça marche bien. Donc tout ce qui nous demande, j'ai reçu la GeForce GTX 1060 il y a une semaine épais et je suis pas déçu. Ah bah content que ça marche du coup. Bien content alors. TP, j'ai le droit de, entre guillemets, t'insulter, mais pas en plus, entre parenthèses, humour. Bah non, je pense pas. Hein? Je peux pas tips, j'ai erreur 500. F5, Samsung, refresh ta page. Ouais, j'ai des petits problèmes, t'inquiète pas. Cool, un gars qui a bien dit mon pseudo, il est content pour toi. Ça fait plaisir. J'ai oublié de mettre le saut. Boulet. J'ai oublié de mettre le saut. Alors, me revoilà, j'ai raté quoi? Alors, on est en train de faire plusieurs choses. Là, on est en train actuellement de faire donc Tesseract pour transférer l'énergie et on a fait 9 biofuel réacteurs et 9 biofuel générateurs. Et moi j'ai crash deux fois. Oui, décidément, Ethan, c'est fou hein, quand même. Merci à toi, Fifou, 47,01€. Et oui, tu passes pas la télé, tu passes sur le live DP. Le mien, quoi. Voilà. Je suis tout fou. Le petit canard, qui est trop mignon. Le petit coin coin. Donc du coup, ben, l'Endorium, là, j'en fais quoi? Je le fais cuire, ouais. Et je le passe avec l'Underpearl. Ah bah ouais. Donc c'est bien ça, je me suis gouré. Que tu as live hier et oui, on a live tous les deux. Je confirme. Alors, il y a Elfébon qui dit un biofuel réacteur pour 8 biofuel générateurs, ça passe crème.
Eh bien, on n'avait pas pensé à ce rendement-là, pour tout te dire. Et après, si vous avez du mal avec vos configs, les gens, Google, hein. Ok, je suis bon en info, mais... Et sinon, Gaming, Nigo, Gaming, non, ça ne passe pas avec un i5 et une 750. Désolé pour toi. Ouais, ton Proku, il va fumer, hein, je te le dis. Ton PC entier va se mettre à brûler. Même si tu joues en Tiny. Alors, apparemment, le lien fait des siennes. Le quoi, le mien? Tous les liens, en fait. Ah, bah c'est J'ai peut-être l'impression. Bitly qui fait un peu de la gnognotte ce soir. Ouais, pareil pour le mien, les gens, apparemment, ont du mal aussi. Salut Anthony le Belge, avec ta couleur je n'arrive pas à lire ton pseudo. Mais salut à toi et Alex, non Minecraft Vanilla ne se rapproche pas du mode pack. Question totalement bizarre d'ailleurs. Et toi Ethan, ça va? Me demande Mister Gaming. Oui, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Ah ben ça va, Imhotep. Alors il y a Elfébon qui me... Mais il faut 9 ingrédients différents par contre. 9 ingrédients différents. Ouais, mais tu parles de quoi? Bah pour les biofuels, mais en fait nous on a. Je sais pas si tu as vu, on a quelques champs. Et mais on compte encore une fois à élargir ça, enfin agrandir de plus en plus, mais pour le moment on va se concentrer sur. Enfin on produit bien en fait. On se concentre sur l'énergie biofuel, qu'on va monter ça en silo. Ça aura la forme d'un silo à l'intérieur, ce sera du biofuel. Et il y aura de plus en plus d'ingrédients au fur et à mesure que nous on a. Enfin, plus on a d'énergie, plus on peut mettre d'ingrédients. Voilà, vu comme ça. Deux comme ça. Il m'en faudrait 20, quoi. Ok, donc ça c'est bon. Faudrait que je refasse en fait du pyrotherium. Eh ben, on va refaire du pyrotherium, comme ça on aura 40 enderium. Ça devrait aller 40. 40, oui, en tout cas ça nous avancera pour les futurs prochains là, les futurs Tesseract et Ouais. peut-être autre chose. Vous êtes en avance ou en retard par rapport aux autres? Nous sommes ni en avance ni en retard, nous prenons notre temps. Je parle bien des fois. Oui. Cool. Ah, il va pas mettre du charcoal des fois. Je sais pas où il allait chercher du coal. Mais bon, je suis un peu obligé de chercher du coal. Oui, du cool. Ethan, c'est quoi ta config? Comment est-ce qu'on voit en fait la config? J'ai une erreur d'étage, non? C'est où ça? Panneau de config, un peu comme ça. Tu fais Windows plus pause. Oh là, attends. Elle est où le truc pause là-dedans? Ah oui. Oh, magnifique! Alors, ma config, c'est un i7 4010, 2,5 GHz, 12 Go de RAM. Une GTX 970M car je suis sur PC portable. Et salut Fit the Patrick 5. Les mecs se sont quand même renommés quoi. Ça c'est un bon Mais non, je voulais l'exclure. On va se bagarrer pour exclure des gens maintenant. Ouais. Donc pour ceux qui veulent tips hein, et rejoindre les top donateurs, etc. Allez-y pour tips. Aider Monsieur Pefort à avoir une nouvelle carte graphique. Alors, donc vous avez une carte graphique pour Monsieur Pefort et pour moi on va dire que c'est un bureau. Et un nouvel écran. Un bureau, comme ça on pourra aménager l'appartement. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça allait peut-être un petit peu. Ah voilà. Vous Vous êtes êtes un petit peu en fontaine. tout mignon. Oh, je suis bien gentil de votre part. Ah. Bon, du coup, on va pouvoir faire. Est-ce que tu as vu les yeux d'araignée?
Alors je fais le pyrotherium. L'excuse ultime, non, je fais le pyrotherium. Bah c'est vrai, en plus ça marche bien. Oui. T'as vu, hein, depuis qu'il y a la magnum torche, on ne se fait plus emmerder par les mobs. Ouais, surtout les creepers qui t'explosent la base. C'est pas mal aussi. Ça c'est du coup 50 blocs par 50 blocs, par 50 blocs par 50 blocs, enfin 50 blocs de diamètre. 100 blocs de diamètre. Oui, 50 blocs de rayon. Voilà, c'est ça. Donc c'est largement suffisant. Je peux le faire descendre sur petit. C'est nul ça, faudrait qu'on ait roi Louis un petit peu sur TS. Bah ouais, je voudrais bien que... Ça fait un bout de temps que... Il est pas très très accessible aussi, hein. Pas vouloir être méchant, c'est pas facile. C'est pas facile de lui parler. Mister Gaming, j'arrive sur ton live Ethan, et bien je t'attends avec plaisir. Normalement. Mais nouveau sur Twitch, Ethan, oui. De tous les youtubeurs sur le serveur FTP. Aurélien Sama, il adore Aurélien Sama. Eh bien. Merci. Voilà. Oui, voilà, j'ai commencé à live dimanche, lundi. Lundi, ouais. Voilà, j'ai commencé à live lundi. Alors pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens, mais ta voix est agréable à entendre. Eh bien, merci, c'est un très beau compliment. Je t'en remercie, monsieur FitzPatrick5. C'est bizarre de parler au serveur où tu es en ce moment même. Oui. Voilà, ça fait bizarre. J'ai l'impression que je parle à la machine, tu vois. Bonjour serveur. Totalement ça. Du coup, on va faire les yeux d'araignée. Et je n'ai plus de musique. On va faire ça tout de suite. Hop. On va voir si la chaîne est de retour en live. Non. Alors pourquoi est-ce qu'il ne live plus? Très bonne question. Si je fais des rediffs de chaque live, mais ça s'upload ce soir. D'ailleurs, on t'a répondu. T'as répondu de quoi? Pourquoi il n'y a pas de live, de rediff? De live de rediff. Bah, les rediffs de live. Oui, parce qu'ils sont en train de se faire un peu. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que EP a dit pour voir la config? La touche Windows et la touche pause qui est normalement au-dessus de la touche supprimer. Je m'abonne et bienvenue à toi, Blackfood. Bienvenue sur la chaîne d'Épée Fortin. Oui. Welcome. Merde, ça marche pas avec ce tank. Fuck. Eh bien, salut Monsieur Gamer de Disky, Mister Gamer. 1999. Il y a beaucoup de 9. C'est ça. Salut Friend Dark. Du coup, on va faire les petits yeux d'araignée. Les petits yeux d'araignée, pourquoi pas? Ah bah si, c'est bon en fait. De notes, ça sert à rien. Je te fais les deux Tesseract, ils sont bientôt prêts. Merci, 9876. Je suis obligé de compter avec mes doigts pour savoir quoi faire. Parce que je sais pas. J'adore cette musique. Et là, on attend. Voilà. J'ai 9 bioreacteurs, 9 biofuel générateurs et 4 basic capacitor bank. Qu'est-ce qu'il va nous manquer? Il va nous manquer des câbles. Prends les câbles de BC. Attends, je suis en train de faire les Tesseract. Ah oui, non, mais prends ton temps. Il va me falloir quelques blocs pour mettre ça en place. Il va falloir surtout que je me creuse les ménages pour savoir comment mettre le silo. Ça va être la grande question. Ouais. Hop, on vide juste le... Hop, et on le re-remplit. Voilà. Tu. Bonjour. Après, tu peux nous dire si tu verras un
Voir le tour des autres. Beaucoup plus tard, mais oui. En fait, une fois que nous-mêmes, on aura notre propre base, en fait. Ouais. Qui arrivera sous peu, hein, ne vous inquiétez pas. La base va arriver et arrivera sous peu. Je vais faire la... Comment dire les... Comment on appelle ça? Les fondations. Hein, je vais faire les fondations et après, on fera cette base ensemble en live. Voilà. Ah, mais les fondations, c'est le plus fastidieux, le plus long à faire, donc je ferai ça moi en off. Peut-être en live sans. En live muet. Ah merde. Et après, on fera ça ensemble. Bon, bah voilà, les deux Tesseracts sont presque prêts, il manque juste le. Un truc central et c'est bon. Faites quoi? On est en train de faire l'énergie. Je vais juste transverser l'Underium. Marche bien aussi. Alex J live avec moi-même et les modérateurs, je pense qu'ils vont se faire un plaisir de donner mon lien. Yo Ethan, comptes-tu te faire une chaîne YouTube? Non, je ne pense pas. Je pense que Twitch déjà, c'est pas mal. J'avais une question qui... Ah oui. J'avais une question que peut-être Aurélien Sama aurait réponse. Oui. Comment Davlek fait pour faire bugger les écritures autour de la signature dans Holycube? Ah bah c'est une très très bonne question que... Minecraft? Ou Google? Non, qu'on pourra même poser à Davlek quand il sera plus sur TS. Ouais, quand il sera là. Je pense que c'est le plus placé pour répondre. Donc on demandera ça directement à Davlek quand il viendra sur le TS. Tu pourras même poser ta question toi-même à Dablet. Et merci Azariel pour le petit lien. Franck Sifano en éclatant des œufs chez Sifano. En éclatant des jeux. Oh là là, bah déjà il faut avoir des œufs. Je pense qu'on verra ça plus tard. Ouais, largement. Bronze. Quand les lives en 4K, quand il y aura un bon PC. Oui. Voilà, donc là, type C. Aux alentours de 2000€ et on se fait une config. Belle config, hein, parce que la connexion ça sera pas un problème. Par contre, le reste, un peu. Alors, Azak il dit que la bande passante requise pour stream en 4K est pas forcément abordable. Chez nous, si. Voilà, je voulais pas répondre parce que je sais pas trop, mais ouais. The Ninja me demande comment ça va à tous les deux et est-ce qu'on n'est pas trop fatigué? Bah non, on a dormi un peu plus longtemps que prévu. Voilà, on a dormi une petite heure, on s'est reposé une petite heure. Donc ça va. Et salut MonkeyDJSK. C'est la première fois que je participe à un live Blackfoundry, bienvenue sur le live et merci de t'être abonné. Alors, voilà, ça a effectivement paraît super, merci de m'avoir répondu. De rien immortel. Même si tu n'as pas posé de question. Vous êtes deux, ça ne divise pas par deux la bande passante. Disons que la bande passante montant est de 240 mégas, donc... Est-ce que tu comptes faire des lives après FTP? Ouais. Potentiellement, oui. Si j'étais millionnaire, j'aurais passé à tous les membres... Le FTP 1000€ de dons pour vous faire un big bisou. Et on aurait accepté avec grand plaisir. Ouais, grand plaisir, très grand. C'est ça. Le facecam, quand on aura fait un tips de 1000 boules. Immortel qui nous demande vous en êtes où car j'ai raté le live hier. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Eh bien, honnêtement, on n'a pas fait plus de choses que ça. On a surtout exploré pour chercher un personnel shield. Pour moi, ouais. et on a un petit peu envisagé les futures choses à faire. Storm, au lieu de me poser la question, est-ce que tu peux poser une question? Pose la question, c'est plus simple. Faut-il activer? J'ai pas compris Stas Body. Tu m'as répondu sur le live. Ah ok, d'accord. Ça marche, immortel. Eh, hey, c'est con,
No quoi, Windows plus la touche au-dessus de supprimer m'a mis en mode avion. RT. Oui, la mode, la touche normalement c'est pause. Il y a écrit pause dessus au cas où. Hein. Oui, l'Underdragon, on l'a fait en fait. L'Underdragon, on l'a pas fait nous. On a participé dans l'End, cherchez-moi les ruches et c'est tout. Le dragon était mort deux fois de suite. Pourquoi vous ne commencez pas à faire du craft auto? Il y en a déjà, si tu regardes bien. Mais pas tout de suite. Ouais. Disons que pour l'instant, on fait déjà un petit truc sympa. On verra le reste plus tard. Bon, je suis en train de faire du bronze parce que c'est un peu lent. Ouais, moi du coup, ce que je vais faire, je vais juste regarder comment on peut faire un silo. Un silo assez joli sur Minecraft. Le silo de mecha? Non, un silo, un vrai silo, silo quoi. Oui, je regarde sur YouTube pour m'inspirer un peu, même si un silo ça peut paraître tout con à faire. Il n'y a pas tant que ça. Faut savoir le faire. Voilà, on n'a pas forcément des trucs tip top sur YouTube. On a quelques trucs médiévales, mais nous on ne veut pas de médiéval, nous on est sur du moderne. Et si vous voulez avoir une dédicace, les gens type C. C'est comme ça, ça marche ici. Je viens d'arriver, vous faites quoi? On fait de l'énergie. Que fais-tu de l'énergie? Biofuel. Voilà. Je t'aime pas toi, ben nous non plus on t'aime pas. Au moins c'est clair. Et tiens, bonjour Rafa. Bonjour Rafa 12 GM, l'homme qui est disparu de LTP. Il y a Monsieur Roy qui va arriver sur le TS. Je l'ai fait ramener. D'accord. Pourquoi? Bah je lui dis tu viens avec nous sur TS et il me demande est-ce que ça fait pas trop laguer. Bah non. Au contraire. Bah quoi, il est en train de live? Moi je sais pas, peut-être pas. Il est en train de live. Il est en train de live, hein, le petit roi. Je le demande quand même. Parce que moi je ne suis pas au courant. On peut faire une entre guillemets pause et aller voir ce que Roy est en train de faire. Hein. Sinon, cool. J'arrive même plus à écrire, perturbé. Ah oui, oh lui, sur son bateau volant. Donc, ouais. Il s'est trompé, il a envoyé Shorty sur un message privé. J'ai les deux Tesseract. Magnifique. Bon, je les ai pas private hein, parce qu'on a pas ce qu'il faut. Oui. Mais généralement. Connaissant Shorty, il a déjà privatisé ses trucs. Forcément. Base. Alors, je lui ai envoyé un petit message sur la conve quand même. Akira? Non, mais. La conve générale. Pour ceux qui ont des Tesseract publics, veuillez mettre votre nom.
Hop, ça, et pas mettre un simple mot. Pas mettre un simple mot. Parce que sinon, YOLO, hein. Du coup, bah voilà, les tesseracts sont posés. Oh, hop, on tue un golem. Un golem, bah, ouais, on est pas mal bien équipé. De quoi, Storm? Ah bah y'a de la lave ici. Y'a de la lave dans le tank. L'Underium, bah c'est parfait, il est mis. Donc je peux enlever ça et ça. Pili pili pu. Maintenant que nous avons ça. Capitaine Roi Louis. Pas besoin, pas besoin. L'Underium qui est là. Magnifique. On va faire en fait. Ouais. Je vais pas placer directement pour le CEO là maintenant parce que je ne sais pas en fait où est-ce que je vais placer les fermes. On va juste placer l'énergie à côté. Ouais. Le pauvre roi qui se fait demander de partout. Ah mais c'est Roi Louis hein. Ouais. Le mythique et le fameux Roi Louis. Le petit roi, le petit roi. Du coup, est-ce qu'il va venir ou pas? Moi, je ne pense pas, je sais pas pourquoi, mais... Mais je lui ai pas donné, je lui ai dit au pire qu'on verra ça après le live. Ouais, voilà. On sera plus côté intime, hein. Hop. Ça je vais le foutre ici parce que pas besoin. MDR. Le planteur il a de l'énergie en lui parce qu'il y a eu le wireless qui a chargé. MDR. D'accord. Du coup tu trouves là-bas? Oui. Est-ce que vous allez faire du Tomcraft? Oui. Plus tard. Voilà, plus tard. Quelqu'un connaît bien NEI ici. Oui, tu peux aller. Je connais très bien, ça dépend de ta question. Oh, du marbre. Du marbre chisel. Tu veux les câbles? Quel câble? Câble que je t'avais dit pour baisser. Ah, ben non. Le mode que je préfère le plus, Blood Magic, en version 1.7.10 avec les abeilles, que je déteste le plus, j'en sais rien, je ne sais pas le mode que je déteste le plus, En fait, il n'y a pas vraiment de mode qu'on déteste le plus. Ouais, c'est ça. Le mode tous les modes, généralement, on les fait, donc du coup, on peut pas en détester un. Salut de Kablak. Immortel, pareil que épée en fait. Hein. J'aime tous les modes et faut les explorer en fait. Voilà. Quand tu regardes une recette, il y a